Bah alors le papy alors. Le papy il est tout au bout. Ah c'est loin tout au bout. Non non c'est le mien ça. Non c'est le mien. Non mais c'est le mien. C'est le mien je vous dis. Oh vous vous énervez madame. Parce que... Aïe. Aïe. Ah. Ah, vous m'avez fait mal, monsieur. Salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie, vous le savez, de Reder. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ils vont bien, j'espère. J'espère qu'ils vont bien. Ça va, toi? Pourquoi tu me juges? Pourquoi, si tu mourrais, tu me juges? Frappe-le, frérot. Au vu de l'extrême violence de cette scène, nous allons plutôt vous diffuser un documentaire sur les concombres de mer. Certains êtres vivants pourraient faire penser... En paraphrasant Coluche, que Dieu a dit, dans la vie, il y aura des durs, il y aura des mous. On est aussi en compagnie de notre acrobate, le meilleur que je connaisse, le meilleur de France, Farid Zitoun, en chair et en os. Et nous sommes en compagnie aussi de Yacine, le frangin. Son Insta s'affiche en dessous. Tous les frérots, ils ont une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est de la tuerie, sauf lui. Lui c'est de la merde, faut pas aller voir. Aujourd'hui les amis, on a reçu un message sur la page Insta comme quoi il y avait une personne qui s'amusait à empoisonner des chats. Parce qu'ici on est dans un quartier tranquille, d'accord? Et il y a des chats, il y a des gens qui s'occupent en s'occupant des chats, en leur donnant à manger, à boire, tout ça, en leur construisant des abris, c'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et une personne s'est rendue compte qu'il y avait des chats qui étaient malades et même certains chats mouraient parce qu'ils étaient intoxiqués. Donc on sait pas comment, on sait pas qui fait ça, mais aujourd'hui on est là pour trouver le responsable et lui faire payer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans un endroit un peu surélevé où on voit l'abri des chats. On va rester toute la journée, on va voir si quelqu'un vient faire quelque chose et à ce moment là si on voit quelqu'un empoisonner les chats ou leur faire du mal, on interviendra à ce moment là donc les amis, on va vous montrer l'endroit où vivent les chats. Donc vous verrez, c'est pas le grand luxe, mais c'est déjà bien. Donc là vous voyez, il y a des gamelles ici, il y a une gamelle là, une gamelle ici aussi. Voilà, vous voyez la petite gamelle, il y a d'ailleurs de la pâté pour chat dedans. Et là, nous avons leur abri. Voilà. Nous avons leur abri, donc les chats vivent là. Et puis quand il pleut, ils se mettent ici. Voilà. Il y a des gens qui s'en occupent régulièrement, quoi. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un peu plus haut. On va rester en contre-plongée pour voir si quelqu'un vient. Et si quelqu'un vient, on vous montrera les images. Et on verra s'il a fait quelque chose au chat ou aux gamelles, parce qu'apparemment, il les empoisonne. Donc voilà, j'aimerais bien savoir comment il s'y prend. Et puis après, on l'interceptera pour le punir. Il faut juste un peu de temps qu'on le voit et qu'on l'attrape. J'ai entendu du bruit dans le feuillage, les gars. Vous l'entendez? Il souffre, le mec. Il souffre, il souffre. Le mec, à mon avis, il passe par là pour pas qu'on le crame, tu vois. Il passe par là pour pas qu'on le crame. Je sais pas, j'entends du bruit. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient les nourrir, hein, mais il serait un peu con de passer par là. C'est chelou. Il passe par les vaisseaux, regarde. Chut, les gars, taisez-vous. Ouais, il met un truc dedans. Il met un truc dedans. Et il mélange. Attends, laisse-le faire. Rémi, toi, ce que tu fais, tu redescends par sur le côté, tu le suis. Suis-le, passe pas avec nous. Nous on va voir ce qu'il y a dans la gamelle et toi tu le suis. Si je t'appelle et que je te dis qu'il y a quelque chose de louche, tu l'aimes. Les gars, il y a Farid et Reder qui sont partis suivre le mec au cas où, mais à mon avis, dans la gamelle, il n'y a pas que de la bouffe pour chat, je vous le dis. Donc on peut mettre au montage, on mettra au montage la photo avant et après. Donc vous voyez bien que tout à l'heure, il y avait de la pâté pour chat classique, donc il n'y avait pas de couleur. Là maintenant, là, il y a du mercure ou je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Je sais pas. C'est non, pas de la morora ou quoi? Je sais pas, frérot. Peut-être de la morora diluée, je sais pas. Et je vais appeler Reder pour lui dire que oui, effectivement, il y a bien quelque chose qui l'a pas. Ah, Rémi. Ouais, frérot. Dans la gamelle, il y a le truc rouge, vous l'avez suivi, le mec, c'est bon? On l'a suivi, il est devant moi, il est marché. Intercept. Parce qu'il est hissé, il a dû voir que vous le suivez. Essayez de la choper, j'arrive, vous êtes où? Ok, vas-y, juste en bas. On doit aller au truc, il est au bout de la rue, on arrive. J'arrive. Vas-y, je crois que c'est t'arrives, frère. Ah ouais? Vas-y. Oh! Vas-y, chope-le, frère. Vas-y, chope-le. Bouge pas. Bouge pas. Il essaie de se tailler, frère. Anto! Ah!
Il m'a niqué le poignet. Reste là. Il m'a démonté le poignet. Il m'a tué. Tu m'expliques, c'est quoi ça? S'il te plaît, il y a quoi dedans? De quoi? Mais c'est qui a fait ça? Donc là, c'est pas toi qui a mis ça. C'est pas toi qui a fait ça. Mais c'est quoi? C'est quoi? On dirait de la France. Arrête de te débattre. Arrête de bouger. On va te la foutre dans la gueule. Mange. Par contre, je peux pas le manger, ça. Ça prend l'odeur de la framboise. Tu prends pour des cons. Allez. Arrête, oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Fais pas manger ça. Vas-y, lance ça. Lance ça, s'il te plaît. Lance ça, frère. Lance ça. Tu m'as violent. Tu prends plein de figures. Lance ça, frère. Lâche-le, vas-y. Voilà, je peux pas tirer, là. Maintenant, quoi? Reste là. Non, mais si. Non, attends. Tu t'en vas, on a les images. Donc, ça sert à rien de partir. On a les images. Tu vas aller au flic avec ça. Je vais voir s'il y a les images. On n'a pas le droit de le filmer. C'est là. Et ça, t'as le droit de faire ça? Mais c'est quoi ça? Je te le demande, c'est quoi? Il nous prend. Ah! Il nous prend pour des cons, frère. Oh, ça brûle! Bouge pas. Bouge pas. Tiens-le, regarde. C'est la mort. Oh, mais passe sur moi, frère! Et c'est la mort en mars! On va au commissariat, c'est bon. Vas-y. Comment ça, au commissariat? Attends. Vas-y, tais-toi, tu voulais tailler, vas-y. Non, mais vas-y, fais pas le voyou, toi. Comment ça? Ça va. Pourquoi tu vas aller au commissariat? Pourquoi on va au commissariat? T'as vu ce que t'as fait aux animaux? On a tout, on a les images, on a tout. Moi, si tu mets les images, frère, ça va pas se passer comme ça. Alors, tu vas faire quoi? Si on met ces images. Bah, y'a pas moyen de. Y'a pas moyen de pas mettre les images. Si y'a des gens, tu es en train de me gonfler, y'a des gens. Tu fermes ta. Voilà. Je te dis, c'est toi, c'est pas toi, tu m'as dit non, c'est pas moi. Frère, attends, ça va. Bon, les chats, ils vont casser les. C'est bon ou pas comme ça? On peut discuter ou pas? Bon, écoute-moi, c'est quoi alors? C'est quoi que tu mets dans la gamelle des chats? Je t'avais dit. Non, tu m'as pas dit. Tu m'as dit, je mets des trucs pour les calmer, c'est quoi? Ah, c'est des trucs. C'est quoi? Un plus gentil, tu vois. C'est quoi? Gros, les gens ils nous appellent parce que tu l'as tué, tu peux le lâcher, il partira pas. C'est quoi que je mets? Il y aura vraiment le commissariat ou pas? Tu t'es dit qu'il y avait le commissariat, si tu me disais ce que c'était. Si tu me dis pas ce que c'est, je vais aller au commissariat. Ça les endort longtemps, on va dire. Ben ça les tue quoi. Ça les tue. Un imbécile. Mais la vérité, c'est tout. Il est maintenant tu crames. Ça après il meurt, j'y suis pas quand il meurt. C'est quoi que tu mets dans la gamelle? Je vais te dire, vas-y, dis-moi ce que c'est. Je te l'ai dit, ça les fait dormir. C'est quoi comme produit? Le produit que tu mets dedans, c'est quoi? Dans ta fiole. Ah, un truc un peu comme la morora, tu vois. C'est de la morora? C'est de la morora que tu dilues avec de l'eau? Pour que ça soit liquide, c'est quoi? C'est de la morora liquide? Bah oui, c'est plus facile, diluer, ils le prennent, sinon ils ne mangent pas. D'accord. Voilà, donc tu t'as mis à tuer des chats? Ça m'amuse pas. Pourquoi tu fais ça? Déjà, j'aime pas les animaux, c'est horrible. Ah, ça fait des poils, des allergies. Mais toi, tu n'es pas là. Ils ont un abri. Non, mais moi, c'est une copropriété, si je comprends pas. Les chats, ils miaulent, après il y a les chiens derrière, ils crient, ça fait des bruits de chats, d'animaux. Ce qui me dérange, toi, tu vis pas là. S'il y a des crottes de chats près de chez toi, même si c'est pas chez moi, ça me dérange dans l'allée où j'aime bien promener tout seul, de voir des chats. Ouais, le problème, les gars, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'âme, comme ce mec-là, et qui pensent que les animaux, c'est pas des êtres vivants, quoi. Donc, Faut aller voir la gendarmerie, là, on peut pas. Les chats, ça passe après, hein, les gars. On peut pas aller, voilà. Faire une sentence, ça passe après les chats. Vraiment une sentence. Toi, tu passes bien après, alors, du coup. Mais pourquoi je suis un humain? L'humain passe avant les animaux. C'est un être vivant, un chat. On est la plus haute. Comment ça fait quoi? Donc pour toi, c'est normal quoi. Moi, mon lieu préféré, tu sais, c'est quoi? C'est les zoos. Parce que les animaux, leur seule place, c'est en cage. C'est pas avec les gens, où tu as vu ça? Les humains, ils sont supérieurs aux animaux. C'est les animaux, c'est quoi? Les humains sont supérieurs aux animaux, mais quand je te vois à toi, je me dis que tu es largement inférieur. Inférieur, et encore dans les zoos, ils les traitent beaucoup trop bien, je trouve. Parce que ça devrait être laissé comme ça. C'est de la nourriture. Le chat, ça se mange, j'entends. Écoute, le chat, c'est bon, ça se mange. On va faire simple. Les animaux, ils doivent être en cage. Tous les animaux devraient être en cage. Oui, d'accord. On devrait mettre en cage pour vous. Ok, oui. Alors regarde, tu vas venir avec nous. Attends, j'ai une petite idée. Attends. Viens avec nous. N'aie pas peur. Viens, t'inquiète. Pourquoi je viens? Parce que je vais te montrer un petit truc. C'est soit on va à la gendarmerie, soit tu viens avec nous. Je suis prêt. Vas-y, appelle le 17. Non, n'appelle pas la gendarmerie. Il faut le téléphone normal. T'as des propos qui sont en train de me dépasser là. Ah ouais, non, ça va être un chat. En quoi ça te dérange sur le chat? C'est rien. Ah les gars, j'ai giflé. Ça rien de parler avec. Mais les gars, un animal, ça va. S'il te plaît, raccroche. Ça va pas ou quoi? Tu viens ou pas?
J'ai le choix, tu crois? T'as le choix, soit on va au commissariat, soit tu viens avec nous, donc oui, t'as le choix. Bah, je viens avec vous alors. Ah voilà, bah, tu vois, t'as le choix, ouais, c'est bon, il a eu le choix au final. Il a le choix. Donc les gars, j'ai une petite idée pour notre ami, je pense que vous l'avez compris vous aussi. Il va venir avec nous et on va lui faire une petite sentence façon camoff. Donc on va mettre tout ça en place. Et on se retrouve juste après. Donc les amis, nous avons trouvé un petit arrangement avec notre ami tueur de chat, une petite sentence. Je peux finir ou pas? Combien de temps je reste? Est-ce que je peux finir? Parce que plus tu me couperas et plus ça durera longtemps. Est-ce que je peux finir? Donc on a trouvé une petite sentence à lui faire faire. Comme vous le savez, vous regardez nos vidéos parce que vous aimez bien les sentences qu'on fait. Je pense que là aussi on est allé. Ça va. Je vais pas mourir. Bon, les amis, je vous laisse découvrir la sentence dans 3, 2, 1. Ouvrez là! Ah, écoute, je vais t'ouvrir une fois que tu auras mangé dans la gamelle. Qui gamelle? La gamelle qui est à côté de toi. On t'a mis de la bouffe pour chat. Donc, quand tu auras fini de manger ton truc, ta gamelle, là, on te libérera. Attends, tu es en train de me dire là, je dois manger ça si je suis libéré? Oui, exactement. Il est où mon téléphone? Rends le téléphone. Ah, tu l'as fait tomber, mange la gamelle, on te rend le téléphone et on t'ouvre la cage, vas-y. Tiens, tu veux ton téléphone? Ouais, ouais, je veux. Tiens, il est là. Vas-y, prends-le. Attends, là, tu crois que j'arrive à attraper le téléphone? Ah, ça, après, je suis désolé. Tiens, pas les bras. J'ai pas envie de rigoler. Là, je dois manger ça. Ouais. Et sinon, je sors. Ouais. Mais non. Tu veux pas manger? Mais frère, il y aura bien quelqu'un, il va me trouver, j'ai pas besoin de manger cette. Ah oui, non, mais c'est sûr que sur un terrain vague comme ça où il y a personne, on va trouver, mais oui, mais quand? Je sais pas. Comment ça qu'il y a personne? Tu vois bien qu'il y a personne ici. Allez, on se casse. Oh, revenez! Vous avez pas mis ses copains? Allez, on se casse. On se casse, mais. Je veux ton téléphone, ça va. Ah, tiens, mange un petit peu, histoire de te nourrir un peu. Donc là, je dois manger un peu et tu vois. Ouais, je te laisse après. Genre, j'ai les mains là, je peux même pas utiliser. Bah, mange pas avec tes mains. Mange dans la gamelle, comme les animaux. Comme les chats que tu empoisonnes, ben oui. Voilà, c'est bien. C'est la bonne. Je dois le manger. Crache pas dessus. Bah, tu veux pas manger? J'ai une autre idée. Sortir, ah, bah, restons chauds hein, si tu veux manger ça. Nous, on te force à rien, mec. Hein. Je vais finir par contre. Voilà. Est-ce que tu veux manger au chat? Et encore? Ça va, on n'a pas mis la mourora, nous on est gentils. Si je le crache, tu ne pas là? Non. Allez, vas-y, mange-le. Tu vas passer au cinéma. Tu vas pas manger. Bah, tu veux pas? Allez, venez, on se casse. Allez, c'est pas venu. Non, c'est bon, on se casse, allez. C'est bon, on se casse, allez. C'est bon. Tiens. Prends-lui son téléphone de merde. Tiens, tu m'as compris. Oh, le téléphone dans la. Allez, venez, on se casse, les gars. Allez, c'est bon. Le mec, on. Propose, très. Ouais, il va me retrouver, il a dit. Lui, je sais pas qui va lui ouvrir, mais ça va prendre longtemps. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on se casse. Mais non. On s'arrache, les gars, c'est bon. Ça sert à rien d'aller. Ça sert à rien d'aller plus loin. Oui, de toute façon, je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir lui ouvrir. Je pense que quelqu'un va venir lui ouvrir, mais quand, je sais pas. Donc les amis, si vous êtes témoin, si vous voyez de la maltraitance animale. De n'importe qui, n'hésitez pas à appeler la police et si vous pouvez agir par vous-même, moi je vous le dis, agissez par vous-même parce que souvent, je dis pas toutes les associations, mais souvent les associations ne font rien, les SPA ne font rien, à part quand c'est des cas d'extrême urgence. Là, il y a personne qui aurait eu le temps d'enquêter. Donc moi, les amis, je vous le dis, j'ai eu le temps, je l'ai fait, on l'a arrêté. Donc prenez soin de vous et si vous êtes victime d'un truc comme ça, n'hésitez pas à agir dans la légalité, parce que nous, au final, c'est légal, c'est lui qui a décidé d'être dans la cage et de manger la gamelle, hein. C'est pas nous, on l'a forcé à rien. Donc voilà, les amis. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Camoff. Ciao, ciao.